Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un conseil de Mark Zuckerberg. Ne te disperse pas, sois extrêmement focalisé. C'est grâce à une philosophie de travail très particulière que Mark Zuckerberg a réussi à emmener Facebook à ce niveau de popularité, à en faire le premier réseau social au monde, avec près de 1,86 milliard d'utilisateurs, soit plus d'un quart des habitants de la planète. Pour accomplir ce prodige, le jeune homme a passé un temps fou sur le projet né dans sa chambre d'étudiant. Or, si ses efforts titanesques ont porté leurs fruits, c'est parce qu'il a évité à tout prix de les disperser. Le 30e salarié de Facebook, Noah Kagan, a par exemple confié au blogueur Ramit Sethi que le fondateur de Facebook avait un seul et unique objectif. À one goal, la croissance du nombre d'utilisateurs. Alors, cette extrême focalisation impliquait notamment de renoncer totalement à monétiser le trafic du réseau social, quand bien même il était déjà très important. Ainsi, quand Kagan, alors product manager, proposa à Mark Zuckerberg de mettre en place la vente de tickets sur la page des événements, ce qui était pourtant une bonne idée, il s'est vu rétorquer brutalement: En quoi est-ce que ça va nous aider à croître? Cohérent, le fondateur de Facebook applique aussi cette philosophie à sa vie personnelle. Il se consacre par conséquent à un seul et unique projet par année. En 2016, par exemple, il avait pour projet, inspiré du film Iron Man, de créer, en la programmant lui-même, une intelligence artificielle. En 2017, il souhaite faire la connaissance de personnes issues de tous les États d'Amérique. Il s'est également donné des objectifs qui courent sur plusieurs années, comme courir 365 km chaque année, lire 2 livres par mois, progresser régulièrement en mandarin. Et vous, quels sont vos projets pour cette année? Est-ce que vous n'allez pas trop vous disperser? C'est souvent, malheureusement, ce que font les nouveaux entrepreneurs et beaucoup d'autres d'ailleurs. On se retrouve dans le prochain podcast. À très vite.